Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournée des Champions. Et oui les amis, comme vous le voyez, je suis dans un setup un peu particulier, je suis en vacances chez mes parents. Donc j'ai un laptop pour enregistrer mes vidéos, j'ai mon micro là qui n'est pas le micro de streaming habituel, donc la qualité sera pas la même. Et après je pense que si je fais des lives au niveau de la connexion, ce sera pas aussi efficace, mais le fait est que je suis bien là et je suis bien en vacances les amis, et ça c'est top, ça c'est la classe. Et comme chaque année, je vais faire cette ouverture de cristaux de compétences spécial mag. Je vous rappelle, ce sont ces fameux cristaux que vous récupérez quand vous doublez un champion qui est déjà au max de sa compétence spéciale, hein, que ce soit un 2 étoiles qui est doublé, donc pour choper un champion 3 étoiles, un 3 étoiles qui est doublé, un 4 étoiles qui est doublé, voire un 5 étoiles qui est doublé au max de sa compétence spéciale. Mais ça, je n'ai toujours pas récupéré ces cristaux. Donc là, ce que je vais essayer de récupérer, c'est ce fameux Iron Fist un petit peu collector, qui n'a pas de stats beaucoup plus puissantes hein, que l'Iron Fist classique, mais c'est surtout un Iron Fist qu'on ne trouve plus maintenant dans le tournoi, qui était apparu à un moment, je crois, dans des arènes spécifiques, et maintenant donc on l'a plus du tout disponible, et la seule façon de le récupérer, c'est avec ces fameux cristaux donc de compétences spéciales max. Voilà, j'en ai à peu près 1500 à ouvrir, toutes raretés confondues. Donc je vais essayer d'aller très vite, hein. Évidemment, je vais les ouvrir par dizaines. Et en plus donc de récupérer des éclats de cristaux, parce que j'ai très peu de chances de récupérer l'Iron Fist. Ces cristaux permettent d'obtenir des éclats et une rare chance. Ils osent même pas mettre le pourcentage de chance de récupérer Iron Fist. En fait, il est il est extrêmement faible. Hein. Je crois qu'à l'époque, il avait affiché peut-être à un moment. C'était de l'ordre de 0,02%. Enfin bref, c'est peut-être l'équivalent du taux de drop du Punisher. Donc sur une quantité comme celle-ci, avec plus de 1140 cristaux à ouvrir, je pense que je vais encore récupérer le 3 étoiles. Je l'avais récupéré une fois. Mais je pense surtout plutôt à la version 4 étoiles que je n'ai jamais récupérée. Pourtant j'avais ouvert des cristaux hein, à l'époque et je n'avais pas eu cette chance-là. Donc on va bien voir, on va bien voir. Peut-être que c'est la bonne année pour récupérer l'Iron Fist 3 étoiles. 4 étoiles, pardon, sait-on jamais, cet Iron Fist immortal. Alors si je l'ai en 4 étoiles, je le montrerai en rang 3. Maintenant, si je l'ai en 5 étoiles, j'avoue que je ne serais pas mécontent. Ça me ferait un double Iron Fist qui me servirait uniquement pour les arènes. Hein. Je ne vous cache pas que ça servirait à rien d'autre. Mais en tout cas, j'aimerais bien récupérer ce champion parce que c'est un champion rare. Et puis juste pour la collectionnite, tout simplement, ce serait vraiment très intéressant pour moi de le récupérer. De dire hey les gars, ça y est, j'ai enfin cet immortal Iron Fist. Alors on continue hein. Là je vais les ouvrir de façon brutale tous ces cristaux, et comme vous le voyez, puisque je n'ai pas l'Iron Fist à la place, je récupère des éclats de rareté associés. Donc plutôt que l'Iron Fist 3 étoiles, je récupère des éclats de cristaux de héros 3 étoiles, et donc je vais en avoir une énorme quantité, ce qui fait que je vais pouvoir les ouvrir par la suite pour éventuellement doubler donc mes champions 3 étoiles. Et si je suis encore une fois à récupérer des champions que j'ai déjà au niveau max de leurs compétences, là je récupérerai également ces éclats de cristaux. Et après je vous rappelle hein, quand vous doublez un champion, vous récupérez aussi des éclats de la rareté supérieure, donc ce sera tout bénef pour approuvir des champions 4 étoiles. Donc surtout ne faites pas l'économie de ces cristaux hein, de ces ouvertures, elles sont vraiment toutes utiles. Allez, je continue. Là, j'en suis déjà à presque 20 000 éclats. Bon, toujours pas l'Immortal Iron Fist. Ça, c'est une tristesse. Je vous dis, le taux de drop de ce champion, il va être mais ridiculement faible. C'est très rare. Après, il apporte pas grand-chose, si ce n'est de le récupérer. Mais, sait-on jamais, les amis. Et j'en profiterai aussi, pendant ce tirage, j'en profiterai pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année qui se termine, de bonnes fêtes, parce que au moment où je fais cette vidéo, Noël n'est pas encore arrivé. Donc j'espère que vous aurez des fêtes agréables, de préférence avec vos proches, si vous le pouvez. En tout cas, je vous le souhaite. Et que cette fin d'année soit heureuse pour vous, les amis. Que si vous avez eu des problèmes, des soucis dans cette année, que tous ces problèmes-là, vous les mettiez de côté un peu le temps de ces fêtes, que vous puissiez célébrer avec vos proches ces fêtes, parce que c'est toujours important de se retrouver en famille, se retrouver avec ses amis. Même si la vie n'est pas tout le temps facile, hein, mais on essaie
de trouver le positif, les bons côtés. C'est pas forcément évident à dire, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bah voilà, on essaie de quand même essayer de rester positif, même si on a des problèmes dans la vie. Et là, c'est le bon moment. C'est le bon moment avec ces fêtes de se rassembler, de célébrer, de festoyer un petit peu. Si vous en avez les moyens, je vous le souhaite vraiment. D'offrir des cadeaux, de recevoir des cadeaux. C'est aussi ça. C'est aussi à ça que servent ces fêtes de fin d'année, à échanger les uns les autres. Alors là, pour l'instant, vous voyez, j'ai déjà ouvert plus de 500 cristaux et j'ai que dalle. J'ai juste que dalle. Encore l'année dernière, quand j'avais fait cette ouverture, j'avais eu la chance de le récupérer en 3 étoiles. Et là, je crois que cette année, c'est la tristesse absolue. Mais je vous dis, les amis, là, je continue d'ouvrir. J'appuie frénétiquement sur les touches, mais ça ne sort pas. Ça ne veut pas me donner cet Immortal Iron Fist. J'en suis à plus de 700 cristaux ouverts. Mais Kabam, vous êtes des crevards, sans déconner. C'est incroyable, quoi. Le taux de drop de ce champion, il est mais infinitésimal. C'est un peu comme gagner au loto, en fait, de récupérer le champion, si je comprends bien. Donc j'ai eu déjà énormément de chance de récupérer en 3 étoiles. Bon, toujours est-il que j'ai maintenant plus de 20 champions 3 étoiles à ouvrir, et autant de double potentiel que je peux avoir pour récupérer des éclats de champions. Donc 4 étoiles, du coup. Et ouvrir des champions 4 étoiles par la suite. Allez, on continue. Là, je suis en train de faire exploser les serveurs de Kabam, j'en suis sûr, avec toutes ces ouvertures de cristaux. Oula, là, il avait mis un temps fou, là. Il y avait le petit temps d'attente sur les serveurs. Allez, je continue, les amis. Encore 300 à ouvrir. Ça se présente pas très bien. Ça se présente pas très bien du tout. Oh, donnez-moi un Iron Fist. Allez, faites pas les rats, quoi. Sans déconner. Je vais même pas avoir le 3 étoiles. Non mais sérieusement, j'en suis à 50 000 éclats de cristaux 3 étoiles récupérés. Toujours pas de Iron Fist. Bon bah à la rigueur, j'espère que autant si j'ai pas cet Iron Fist, autant j'espère que je récupérerai la version 4 étoiles, voire 5 étoiles, sait-on jamais. Mais là, vu là, c'est incroyable. J'ouvre plus de 1000 cristaux et je vais pas avoir une seule fois l'Iron Fist 3 étoiles. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais là, j'en reviens pas, mais c'est trop fou. C'est impossible. Je continue, les amis. C'est un truc de malade, là, ce qui se passe. Donnez-moi l'Iron Fist, là. C'est pas croyable, là. Je vais pas y arriver, là. Allez. Là, il est en PLS, là. Les serveurs de Kabam sont en PLS, là. Je suis en train d'ouvrir à la volée. Il m'en reste plus que 50, un peu moins de 50 à ouvrir dans ces cristaux de compétences spéciales max 3 étoiles. Et pas un pet. Pas un pet sur 1149 cristaux de compétences spéciales max 3 étoiles. Je n'ai pas récupéré un seul Iron Fist, les amis. Pas un seul. C'est une blague, ces cristaux. 63 000 éclats de cristaux 3 étoiles, bah, ça va en faire des ouvertures, hein. Plus de 30 cristaux, plus de 30 champions à ouvrir. Mais je suis un peu scotché quand même, Waouh. Bon, bah on continue, on va aller sur les cristaux maintenant de compétences spéciales max pour un Iron Fist 4 étoiles éventuellement. J'en ai 290 à ouvrir. Ah, il est là, on me dit bien, hein. On me dit avec une rareté, une rare chance, alors c'est une infime chance, ils devraient mettre. Non mais ils mettent même pas le taux de chance, sont des crevards, les amis, genre je suis fou. C'est incroyable, quoi. Une rare, c'est plus rare, là. C'est une impossible chance de récupérer. Bon, au moins, j'ai des pierres spéciales dans cela, donc au moins ça compense le fait que je récupérerai pas le champion. Au moins, j'ai des pierres spéciales pour rajouter des niveaux dans les champions 3 étoiles. Bon, j'aurais aimé les champions 4 étoiles, mais ne soyons pas trop difficiles. J'ai des gemmes d'éveil, 3 étoiles également. Ok. Elle voulait pas me filer l'Iron Fist, là. L'Iron Fist 4 étoiles, s'il vous plaît, Kabam, là, c'est bientôt Noël, là. Allez, arrêtez de faire les rachots, là.
90 cristaux ouverts déjà, rien, la centaine pareil, je continue les amis, je ne désespère pas, hein. Qui sait, peut-être que ça va finir par arriver. J'ai l'impression que le son du jeu est un peu fort, je vais baisser un peu le son, voilà, je dirais au niveau des retours, faut que je règle un petit peu, faut que je fasse un petit peu mes réglages là, avec le, là je suis en screen mirroring quand je vous disais, hein, donc il faut que je règle vraiment le volume du jeu par rapport au volume de mon micro, qui est pas un super micro, hein, c'est un micro casque comme vous le voyez, au moins ça me permet de parler, c'est déjà ça, et ça vous permet de m'entendre, beaucoup de pierres spéciales, je suis content, je m'en félicite. Et toujours pas à l'horizon. Toujours pas à l'horizon d'Iron Fist. Allez. J'ai encore 10 dizaines à ouvrir. Peut-être que les 10 derniers, je les ouvrirai un par un. Encore que. Est-ce que c'est. Vu la tournure que prennent les choses, est-ce que c'est vraiment utile de les ouvrir un par un? Bon, l'avantage, c'est que j'aurai des champions 4 étoiles à ouvrir. C'est déjà ça. Non, mais. C'est une blague, c'est cristaux, c'est une blague, sans déconner. Il tombe pas le Iron Fist, c'est impossible. On nous ment, les amis, on nous ment. Je vous dis, Kabam nous ment. On peut pas le récupérer, ce champion, c'est pas possible. Ils ont mis une probabilité tellement faible que c'est du foutage de gueule, c'est pas possible. Ce sont des menteurs, Kabam, vous mentez. Je vous vois. Je vous vois, vous mentez, je le sais. Bon, ok, ça c'est fait. Alors les 10 derniers, allez, je vais les faire en tirage comme ça, mais là, j'y crois plus. J'y crois juste plus, les amis. Allez, je vais tomber sur, ok, encore des pierres spéciales, super, je suis content, je continue. Ah là, c'est rien, vous inquiétez pas, je suis dans le séjour, donc on entend tout le monde, mais... Ah, il est là, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. Genre, je me suis dit, il est même pas dans le carrousel, le Iron Fist 4 étoiles. Mais si, je l'ai vu passer, enfin. Donc là, c'est la fête, là. Ouhou, champagne. Brésilienne, presque, je dirais. Allez, on continue. Ah, je le vois encore. C'est marrant, parce qu'à chaque fois que vous appuyez, là, dans le carrousel, il apparaît comme par hasard, quoi. Non, mais, Kabam, vous êtes des bandits de grand chemin. Voilà ce que vous êtes. Allez, laisse-moi tirer mes cristaux, j'y crois plus déjà. Je vais même pas tourner le suspense, il tombera jamais. C'est incroyable, la rareté sur les plus de 1100 cristaux. 3 étoiles, j'ai pas récupéré le champion, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire, c'est un truc incroyable. Alors je continue, on va bien voir, allons-y, gaiement maintenant, hein. Je vais au bout de la chose, hein. Bon, allez, les 5 derniers, je vais arrêter le massacre. Ok, super. Alors, 14 000 éclats de cristaux de héros 4 étoiles. Donc ça me fait 7 champions à ouvrir. C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Et après, bon bah, je vais terminer avec les derniers cristaux. Là, ce sera les cristaux du champion. Voilà, j'en ai 43 à ouvrir. Pour éventuellement récupérer. Mais est-ce qu'on y croit encore, les amis? Un Iron Fist, 5 étoiles. Bon, il n'y a toujours pas la probabilité. Hein. Je pense que la probabilité, elle doit être de 0,00001% de le récupérer. C'est un peu comme au loto. Enfin, au moins, j'aurai des éclats de cristaux. 5 étoiles. Pour pouvoir ouvrir des champions 5 étoiles, je l'espère. Au moins un. Ouais, voilà, je pourrais au moins me faire une ouverture de champion 5 étoiles, plus à côté, vous voyez, 2 pierres spéciales, plus 2 en mystique. Et les 3 derniers, je vais les faire un par un, mais je me demande vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'ouvrir ces champions, d'ouvrir ces cristaux, d'attendre la fin de l'année pour... C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Cabane! Jusqu'au bout, il joue avec moi. Vous avez vu passer les doubles Iron Fist 5 étoiles, les amis? Il est passé. Ils me font mourir de rire. Le carrousel, ils vous font croire que vous allez tomber dessus. Et vous avez vu, il y avait un double Iron Fist qui est passé devant moi, puis hop, l'employé de Kabam, comme d'habitude, il est là, il intervient, il me sanctionne, il me punit. Allez, encore 2 cristaux, donc là, l'avant-dernier cristal, encore une fois des éclats de cristaux.
deux héros, 5 étoiles. Et allez, je vais finir pour ce dernier. Vous aurez vu cette... C'est même plus une tragédie, c'est une parodie de tirage en fait, c'est ça. Une parodie de tirage, les amis. Ce n'est rien d'autre. Il ne tombe jamais le champion. Ou alors si quelqu'un, si l'un d'entre vous l'a déjà tombé, n'hésitez pas à poster dans les commentaires hein, que vous l'avez récupéré. Dans ces cas-là, vous devez jouer au loto absolument parce que vous voyez le taux de drop, il est incroyablement bas. Et encore cette année, je ne récupérerai pas ce champion. Ah là là, bon, en tout cas, je pourrais ouvrir un cristal de champion 5 étoiles. Et pour le reste, bah, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle ouverture de ces cristaux. Si je fais cette ouverture de cristaux en 2020, en fin d'année 2020, là, je dois vous avouer que là, ça m'a vraiment refroidi. Parce qu'avoir presque 1500 cristaux, tout confondu, et ne rien récupérer, ne même pas récupérer la version 3 étoiles, c'est quand même un peu de la blague. Bah, en tout cas, les amis, c'est un plaisir encore d'être avec vous maintenant et de vous proposer ces tirages qui sont vraiment loufoques parfois, qui sont vraiment improbables. Et là, je dois dire que ça me fait juste mourir de rire, cette probabilité qui doit être infime de récupérer ce champion. En fait, Kabam nous ment. Voilà, Kabam nous ment tout simplement. Ils me disent, hey, vous pouvez récupérer champion. Mais on ne peut pas récupérer champion. Avouez-le, Kabam, soyez honnête avec vos joueurs. Mais. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos commentaires dans la vidéo, à mettre le petit rating, c'est vous qui le choisissez, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Comme vous le dis, là, les conditions d'enregistrement sont un peu particulières. Je suis dans ma famille, je n'ai pas mon setup habituel, je n'ai pas mon micro habituel, il y a des bruits extérieurs. Mais c'est aussi bien de se retrouver en famille dans ces moments-là, et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec mes proches, parce que bah, je ne les avais pas vus depuis plus de 2 ans, enfin près de 2 ans en ce qui concerne mes parents, et donc là, ça fait du bien de pouvoir passer ces fêtes avec eux. Donc, je vous souhaite vraiment d'avoir cette chance aussi, d'avoir cette opportunité. Rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous de vos amis. C'est vraiment le moment de célébrer ces moments ensemble. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein d'ondes positives. Je vous souhaite vraiment le meilleur possible pour ces fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis peut-être un peu bonne année en avance, mais en tout cas, passez un excellent Noël et à très vite sur ma chaîne YouTube. Peace, les amis.